Salut à tous, c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends. Avant que la vidéo commence, je vous conseille d'aller sur u.gg ou u.gg pour savoir le meilleur build de votre champion ainsi que ses counters. Et c'est très très efficace. Dans cette vidéo, on va encore utiliser ce site et c'est parfait si vous ne maîtrisez pas à 100% votre champion, ce qui est le cas pour énormément de personnes. Même moi, quand je teste un champion, j'en ai besoin. Donc par exemple, tu peux voir les meilleures runes ainsi que le meilleur stuff, les sorts d'invocation, etc. Et l'ordre de priorité, on va beaucoup s'en servir. Les liens dans la description, merci à vous, bon jeu et bonne chance dans la faille. Bonne vidéo. Ok, c'est quoi ton mood en ce moment? T'es plus tank, qu'est-ce que tu veux jouer en ce moment? Parce qu'il faut suivre les envies, hein. c'est un jeu vidéo aussi. Hein. Franchement, bah, je t'ai dit, je tryhard jamais, etc. Genre, okay. Je suis vraiment là pour m'amuser en fait. D'accord, et quel champion t'amuse le plus en ce moment? Franchement, Sona, c'est juste pour... Bah Sona, mais go, on fait une game Sona? Vas-y. Vas-y, on fait une game Sona, je vais regarder, je vais voir, je vais essayer de chercher, bah... Ce qui te manque, peut-être que ce qui te manque, c'est la vision. Peut-être qu'il y a des moments où tu ne sais pas. Par contre, joue comme d'habitude. Hein. D'accord. Ah, tu joues pas Aery, tu joues Comet? Ouais. Pas sûr que ce soit le meilleur truc, ça, par contre. Ouais. Parce que quand tu fais le soin, donner le petit bouclier à Aery, c'est pas dégueulasse. Je pense, je vais vérifier après. C'est mieux quand... Bon, je peux pas aller faire check. En fait, là, normalement, on est censé aller dans ce buisson qui est juste ici. Mais il faut qu'on court. Là, c'est mort, en fait. Est-ce qu'ils peuvent nous attendre déjà et on peut plus faire check. Bon, on a vu Rengar top, mais peut-être qu'ils sont 4 et peut-être qu'ils nous bait. On va devoir aller... On va juste rester, genre, ici. Là, j'ai mis du temps, mais normalement, dès que t'achètes, tu dois aller dans ce buisson-là, tout de suite, pour aller vérifier. Là, on va avec lui en même temps. Vas-y, on peut aller maintenant dans ce buisson-là. Ok. Et là, normalement, tu vois, le mid, il est censé check ici aussi. Parce que sinon, ils peuvent passer par là. Là, ils passent juste ici, on est mort. Donc là, le Veigar, il check pas les buissons. Mais ça, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Bref. Donc là, on va passer par là. Ah, d'accord. Pourquoi je passe... Mars. Non, il faut... Bah, c'est qu'en fait... Mais c'est bon, là, t'inquiète. Parce qu'en fait, on voit Miss Fortune et tout. Mais des fois, ils peuvent nous attendre ici. Ça, c'est le cheese du tribush. Faut faire très attention. Surtout quand t'es des fiddlesticks ou des trucs comme ça. Là, ils ont bien fait. J'ai l'impression qu'ils ont push la line. Vas-y, là, je vais voir tout de suite. On va l'attaquer. Voilà, on le laisse pas trop venir. Alors là, tu dois regarder aussi le jungler. Est-ce que c'est un jungler qui peut gank level 2? Pour le cas, pas vraiment. Non. Et surtout, il est pas dans le bon endroit. Mais si tu commençais par exemple red side, donc eux c'est red side, si t'es en face d'une Camille ou des trucs comme ça, qui a ton poke est bon, la Camille aurait pu gank juste après le red buff. Donc là par exemple, notre Kha'Zix aurait pu gank juste après le red buff, et là en vrai, ça aurait fait 2 kills. Donc faudra faire attention. Donc là aussi, ils viennent de passer niveau 2, il faut les respecter de ouf. Parce que leurs stats ont été augmentés, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, sous tour, il faudra que tu aides ton ADC aussi, pour pouvoir farmer, si besoin. Ouais. Là, pour l'instant, j'ai pas trop besoin, là, je me démerde. Donc là, tu vas juste augmenter ton soin et tu vas spam le soin. Ah, moi, je spam tout le temps le Q. Mais là, le soin, tu l'as pas, là? Tu l'as pas pris, le soin? Si. Bah, vu que t'es full mana, utilise le soin. Voilà. Okay. N'hésite pas. Après, je sais que je sais que tu le fais normalement, genre, c'est juste que là, t'as oublié. T'inquiète, je suis pas débile. Là, tu peux réutiliser ton W, t'inquiète. Full mana, ça va bien. Voilà, bien joué là, c'est cool. Là, le trade est gagné. Là, tu vois, le trade est complètement gagné. Parce que nous, on va avoir du sustain, il a plus beaucoup de mana. Donc, le sustain, c'est la capacité à reprendre ses points de vie. Hein. Ah merde, ok, d'accord. Elle a fait proc le Dark Harvest, ça c'est chiant, j'avais pas vu. Tu peux encore utiliser ta potion, je pense. Donc là, ils sont en train de nous push avec très peu de points de vie, sans presque de vision. Il y a juste. L'autre qui est parti à les ward, mais en vrai, c'est pas ouf ce qu'il est en train de faire. Donc là, notre jungler devrait venir nous aider, en fait. C'est juste, essaye de récupérer tes points de vie avec le W. Comme ça, ils vont pas pouvoir se retourner si on y va en 3v2. Parce que si t'as pas assez de points de vie, ils vont pouvoir se retourner avec un Ignite, même s'ils jouent pas avec Ignite, ça peut être gênant. Là, ce que tu vas faire attention, vu que t'as plus beaucoup de points de vie, c'est le flash in gold card de Twisted Fate. Il peut te flash avec la carte jaune et te stun. Et là, essaye d'avoir vraiment plus de 50% de points de vie parce que là, elle est en train de stacker son Dark Harvest sur toi. Donc là, on va demander de l'aide parce qu'en vrai, ils sont en train de push comme des débiles. Et ils ont probablement pas de vision. Donc là, on va forcer un petit peu. Là, vas-y, go. Hop, je vais la route et on est parti. Je vais te heal tout de suite. Elle va utiliser son heal. On va flash. Je pense qu'on peut flash. Elle va heal. J'ai plus de heal, okay. J'ai plus de mana. C'est pas grave, y a aucun souci. Le Kha'Zix, je crois qu'il a pas mis trop de dégâts, mais y a pas de soucis. Donc n'hésite pas à demander de l'aide de ton jungler, tu vois, quand il push comme ça, il faut punir en fait. Parce que c'est pas... Ils ont pas une Leona, ils ont pas une Janna qui peut désengage, ils ont pas un Alistar. C'est facile à punir ce genre de choses. Et il y a certaines games, désolé de te le dire, mais si ton jungler ne vient pas,
tu vas la perdre et tu ne pourras absolument rien faire. Ok, donc là on va back, on n'a plus de trop de trucs. T'as combien de gold là? 665. Ok, et c'est ton premier back, c'est très très important. Je prends une pink à chaque fois. Genre, ouais, non, c'est pas ça, c'est essaye d'avoir assez de gold pour monter ton objet support. Oui, c'est ce que je fais. Voilà, ça c'est le plus important. Parce que ça va te donner le double de gold. Ok, donc là, t'avais pas assez pour une potion? Si, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je prends jamais de potion. Ok, c'est très 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 important les potions, surtout au début de partie. Parce que là, dans un trade, imagine, ils ont même pas d'ignite en fait. Donc la potion, ça te donne full. 150 points de vie, regarde tes points de vie, en plus, t'as le champion qui a le moins de points de vie du jeu. Bah, je crois, si je dis pas trop de conneries. Là, j'ai pris une control ward, ok, tu l'as mise très très vite, c'est bien parce qu'ils ont pas eu le temps, tu t'es pas montré, ils ont pas eu le temps, ils ont pas vu que t'avais une control ward, donc ils savent pas que c'est wardé, le tribush. Donc ça, c'est bien. Ok, notre jungler est en train de bien jouer. On va farm tranquillement. Donc là, hop, petit message, on va éviter de se mettre derrière les minions. Là, pareil, ils sont en train de push comme des débiles. Donc on va dire notre jungler, hop, je passe niveau 6 dans 2 waves. Et ça peut être intéressant. Je vais juste aller warder ici, moi, hop. Niveau ward, t'es comment? T'es stacké à 2 ou pas, là? Ok, là, tu vois, le Kha'Zix, il est pas si loin, le Kha'Zix, là. Donc on regarde la carte, et dès qu'il se... Là, je peux bait le TF, tu vois? Le TF, go, c'est parti. Parfait, c'était génial. On a assez bait pour normalement le Kha'Zix, pour qu'il fasse quelque chose. Ah, ça, c'est pas de chance. Ah. Ok, bon. Ah non, c'est le Veigar avec nous là. Ok, oh, j'ai eu peur. Go. Ouais, moi aussi j'ai eu peur, désolé, j'ai mal regardé. Parfait, génial, bien joué. Donc là, tu vois, c'est pas vraiment nous qui avons fait, c'est juste j'ai ping pour de l'aide. Et ça, n'hésite pas à le faire. Parce que vraiment, tu vois, tu le sens qu'ils sont en train de push. Ils peuvent, avec leur champion, ils peuvent pas. C'est trop risqué de push. Ils doivent avoir de la vision et de l'aide de leur jungler ou du mid. Pour prendre de la vision. Sinon, c'est free gank. Mais je me suis fait peur. Le Veigar, en fait, il arrivait pile poil. Pour le counter gank, en fait, je me suis dit, bon, c'est pas possible. C'est trop beau pour que ce soit un joueur à nous, quoi. Et si. Ok, on peut back, on n'a plus rien. Bien joué. Tu mets des grosses patates, hein. Genre, je fais zéro dégâts. Hein. Tu mets vraiment des grosses patates. Moi, heureusement que j'avais acheté les potions. Je pense que sinon, j'étais pas bien. Donc, pense à acheter ça aussi. Ok. Là, on fait un petit bilan sur le jeu. Est-ce qu'il y a un mec fed en face? Par exemple, si tu vois là. Tu fais tab, à 10 minutes, tu vois le Rengar en 6-0. Ouais. Là, je fais oh shit, je vais prendre un ange gardien très vite, ou je vais prendre de l'armure ou un truc comme ça. Ou sinon, on va devoir vraiment jouer en mode super attention. Ouais, on va tout de suite l'embêter tout de suite. Tu vas gagner le trade là. Oh, tu mets des patates. Ulte-le, hein, si besoin. Tu peux le ult, hein. Ouais. Voilà, et là, on l'a puni. On avait l'avantage de la vision. On peut continuer. On peut faire quelque chose là, t'inquiète. T'as pas de ward? Ok, pas de soucis. Bien joué, parfait. Donc là, en fait, les control ward, non seulement ça donne de la vision, mais tu vois, ça crée en fait... J'avais pas de ward. Y a aucun souci. Et t'as vu, les control ward, en fait, ça aide beaucoup, non seulement les visions, mais en fait, ça peut... Là, ce qu'il a fait, là, le TF, j'aurais fait la même erreur à son elo, en fait, quand j'étais à son elo. Il a une ward aussi, là-bas. Mais je ferais plus... Ouais, bah, tu peux aller la chercher, tranquille. Bon, s'il y a Rengar, t'inquiète pas, j'ai l'huile. Non, c'est une ward fantôme. Ok, d'accord. Bah écoute, j'ai une control ward, je vais peut-être pouvoir l'utiliser si tu veux. Ah. Ok, d'accord. Donc le Rengar est pas loin, y a pas de souci. Là, tu vois, le dragon a été fait, tu peux ping en mode, faites le héros de la faille du coup. Kha'Zix, c'est lui bien. Hein. Ouais, bah il est... C'est cool. Hein. On a donné des petits kills. Hein. Tu vois, il est en 4-0. Oh, ouais, c'était... Essaye de W là, si tu peux. Moi, je vais warder ici. Je vais mettre ça là. Ton ultime, tu l'as quand? Bien joué. Très bon trade. 20 secondes? 11. 11? Ok, on fait rien pendant les 11 secondes. Même si on a une opportunité, on fait rien. C'est trop triste sinon. Ah! Y'a quelqu'un? Ouais, y a on se casse. On se casse? Bah là, on y va. Là, on va sur lui. On peut y aller, là. Go, ouais. Oh. Si, c'est bon, bien joué. J'ai heal. C'est bon, on est bon. Y'a quelqu'un derrière, on a de l'aide. J'ai utilisé mon ultime. Ouf. Oh, j'ai passé de mana. Donc tu vois les wards ici, la control ward que t'as mise ici, tu l'as bien placée en plus parce qu'il doit vraiment bien s'approcher pour aller le chercher. Et en fait, quand moi tu vois, genre, je suis ici et que je déward là, je mets limite une ward ici pour pas me faire déchirer en fait. Ouais.
Ouais. Parce que sinon, là, tu vois, t'arrives avec ta Sona, tu ult et le mec, il est dead. Et... Donc là, en fait, dès qu'on les catch, on peut y aller. Là, par exemple, bon, bah, on peut limite y aller. Voilà, super. Oh la vache. What? Ah ouais, mais t'es... Non, mais tu fais tellement de dégâts, genre. Alors là, c'est pas étonnant qu'on gagne. C'est pas étonnant parce que TF support, ça pue la mort. En fait, c'est vrai que, tu vois, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va regarder juste s'il a un son blue buff. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vocal? Parce qu'en fait, tu seras jamais en vocal si tu solo Q, en fait. Du coup, je sais pas si ça... Ah. Ok, on se casse. On a activé son ultime, c'est parfait. Là, on peut demander de l'aide parce que ça va nous TP dessus. Ok, il a foiré. Ok, je suis mort. Il y a Vegar qui arrive ici. Si t'arrives à y aller ici, ça peut être pas mal. Il a sa cage. Et c'est court. Ah, dommage. J'ai couru. My bad. Je pensais pas que le Rengar... En fait, j'avais complètement oublié le TF. Qui pouvait... En fait, Rengar TF, c'était parfait pour eux, là. Oublie pas. Ouais, toi, t'as changé ton trinket. Parfait. Ouais. Vu qu'on a pris la tour à la botlane, soit tu switch, tu vas top. Soit tu aides la midlane. Soit tu prends le dragon. Là, ça sert à rien d'aller top parce qu'il y a le dragon, en fait. Donc, ça aurait été mieux d'aller prendre le dragon. C'est pour ça que Kha'Zix, en fait, quand on prend la tour, ça m'étonnait qu'il soit parti, en fait. Je pense pas qu'il soit ultra low. Et là, on perd le dragon. Donc là, j'aurais dû reping le Kha'Zix parce que je savais pas qu'il allait partir. On va juste prendre la tour ici. Et après, on ira faire un tour à la top lane, nous. Et là, ça va être un jeu de rotation. Ok, parfait. Là, on va aller top. Pense à Ward aussi, si tu peux. Là, ouais, hop, je prends pas de risque. Et nickel. Tu peux mettre une ward ici, ce serait cool. C'est ce que j'allais faire. Parfait. Et là, hop, on va tuer le Mordekaiser. Et là, c'est un jeu. On s'en fout de la ward, hein. On perd pas ton temps. Ok, parfait. Là, je vais enlever la ward, par contre. Ce que j'allais faire. Non, là, je l'avais pas vu. Ok. Rengar était ici. On peut rester ici. Oh, merde. Ok. Là, je vais juste mettre ça ici. Hop. Ouf. Là, ça pique. Ouf, ça me pique. Ah. Ouais, c'est bien retourné. Mais ouais. Elle est morte avec le Kha'Zix. Ok, je l'ai raté. Merde. Oups. My bad, j'ai très mal joué là. J'ai fait mon ultime alors que j'aurais pu me rapprocher. J'ai cru en fait que le Rengar était pas mort. Et j'ai mis du temps. C'est qui TP là? Ok, mort de Kazar. Bah écoute, là on va push la tour. On sait qu'ils sont top. On va essayer de détruire un peu la tour ou de faire chier. Ok, ils sont tous à la mid lane. On n'a pas le temps de se rendre à la mid lane. On va essayer de détruire la tour. Ça va être compliqué. On va essayer de prendre vite fait la tour. Mais là peut-être qu'ils vont détruire mid. Ok, ils arrivent sur nous. Est-ce que Rengar a utilisé son ultime? Je sais pas. Prépare-toi. Ok, parfait, on se casse. Peut-être que je peux la prendre. Non, elle s'est barrée, ok. Vas-y, tu peux aller sur lui. Ah. T'aurais pu... On peut limite un peu continuer, là. On peut limite un petit peu continuer. Je vais aller warder. Laisse-moi warder ici. Hop, ok, parfait. On peut aller sur lui. Tu peux l'ult. Bon, bah... A plus. Y'a rien à... Ah, merde. Oh, excuse. Elle va ult. J'ai trop mal joué. Bien, t'as bien joué. J'avais complètement oublié qu'elle avait son ult. Heureusement que tu t'es très très bien décollé de moi, hein. c'était bien joué. Grid pas, elle peut limite... laisse-le prendre le kill. Voilà, très bien. Là, tu peux l'assister, c'est TF support, ça pue la mort. A plus. Là, t'as très bien joué, tu vois, j'avais fait l'erreur. Après, c'était juste mécaniquement là que c'était faible de ma part. C'est vraiment Oriana. Déjà, un, j'avais même pas vu que t'avais Oriana sur la tête. Et deux, je m'étais collé à toi alors qu'elle avait son ultime. Donc t'as très très bien fait de te barrer. Top là, attention, on peut... Là, ouais. Tu vois, tu ping. Tu vois, par exemple, là, le Kha'Zix qui a besoin d'aide, tu peux ping à sa place, tu vois, parce que des fois, dans le feu de l'action, il peut pas demander de l'aide. Donc moi, des fois, je demande de l'aide à sa place. TF. Là, tu vois, hop, tu peux demander de l'aide. Alors, je te déconseille de ult pour lui, en fait. Non, j'ai pas d'ult, en plus. D'accord. Donc, évite, parce qu'il vaut rien, tu vois, genre... il est en 0-8, garde tes ressources. En plus, t'en avais pas besoin. Donc là, par contre, on peut continuer. Il y a Oriana. Oh, ça FF. Oh, mais non. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas vu... En fait, là, ça s'appelle la laning phase. Et le début du mid-game, où on commençait à faire des rotations. Regardons ce que nous dit you.gg. Sona,
Parce que tu m'as l'air d'être une Sona très très agressive. Alors déjà, tu vois, il préfère Aerie. Parce que Aerie, en fait, je sais pas, tu connais un peu la rune. Toi, tu vois, tu fais des petits pics très très souvent. Donc Aerie, déjà, c'est bien. Et en plus, quand tu peux pas faire tes petits pics, tu soignes ton pote. Et en le soignant, tu vas lui donner un petit shield en plus. Et ça, c'est trop 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 fort. Comme ça, tu vas avoir tes soins, mais augmentés de ouf. Et tu changes ton build aussi. Hein. Mm. Item. Et tu vas plus prendre un build, Ardent Censeur. Athènes, Rédemption. Alors, ils prennent un Iron Solari. Iron Solari, c'est trop bien. Ça met un bouclier à tout le monde. Tu vois, genre par exemple, contre Orianna, Iron Solari, c'est trop bien, quoi. Donc, peut-être, au lieu d'apprendre un nouveau tank, je te conseille de juste jouer Sona, mais d'une autre façon. Donc, voilà. A plus tout le monde. J'espère que vous avez aimé. C'est le coaching perso de Okunai, qui était un petit peu, ma foi, bancal. Et je vous dis à la prochaine. Si vous voulez être coaché, venez sur Discord. On va faire un petit truc. Je vais voir, peut-être que je vais prendre les tiers 3, j'en sais rien. On va voir. A plus tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, bye.